Est-ce que t'as besoin d'aide, Eric? Non, non, ça va, merci. Ah, j'espère que tu vas trouver un travail, merci. Mon garçon. Ça m'a pris du temps, mais maintenant c'est prêt. Mais si tu dois former quelqu'un, tu dois être bien préparé. Oui. T'es prêt? Oui, enfin, plus ou moins. Plus ou Comment moins... Comment ça, plus ou moins? Tu as vu les cours de formation qu'on a eus? Oui, ne t'inquiète pas. Maman, alors, t'en es où pour tes examens? Quand est-ce que tu vas avoir les résultats? On est déjà allé les chercher. Et je dois voir le docteur demain, mais je suis sûre que je n'ai rien. Ah ! Maintenant, il s'avère que tu es docteur. Eh bien, quel intérêt de dépenser de l'argent ? Je ferais mieux d'aller travailler demain. Non, 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 non. Il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas suivi, maman. Ouais. On a déjà pris rendez-vous, et ne râle pas. D'ailleurs, en plus, je me suis organisé pour qu'il n'envoie aucune autre personne. Seulement moi au travail, jusqu'à ce que tu ailles mieux, Sonia. Non, et au fait, il s'amuse beaucoup à faire des allées et venues avec des affaires pour une conférence. Ou qui sait ce que va faire le grand patron. Ça veut dire que l'ingénieur Mascaro va être à Biogénélab? Oui, si vous savez à quel point il est aimable. Je pensais qu'à Biogénélab, il n'y avait que des gens arrogants et casse-pieds. Oh, non, non, si c'est le cas, il y en a plein qui sortent des égouts. Et quand tu es un technicien de surface, c'est pire. Parce qu'ils agissent comme s'ils ne te voyaient pas, comme si tu étais invisible. Ils te mettent de côté. Attention, pas tous, hein, pas tous. Par exemple, le chef de la sécurité qui a un visage comme ça, pas très agréable, eh bien, en fait, il s'est très bien comporté avec moi. J'espère que ça va toujours se passer comme ça. Madame. Il y a Monsieur Fagère qui est là pour vous voir. Dites-lui que je descends tout de suite. Où est-ce que les enfants sont passés? Oliver et Dana sont chacun dans leur chambre et le jeune Ulysse est sorti il y a un moment avec son ami Sammy. Ce garçon, Sammy? Oliver et Dana ont déjà mangé. Madame, est-ce que tout va bien? Désolée, mais tu peux comprendre que je n'ai pas envie de discuter de mes problèmes avec toi. Pour le moment, je n'ai pas obtenu d'injonction pour votre mari. Alors, est-ce que Heriberto est donc un criminel en col blanc? Dans ma maison? Ils vont bientôt venir pour la saisir. La saisir? Qu'est-ce qu'il en est des autres propriétés que nous avons? Monsieur Heriberto les a vendues il y a quelque temps pour tenter de sauver l'entreprise, mais c'était inutile. C'est pas vrai. Je n'arrive pas à croire que je ne le découvre que là, maintenant. Ce que je peux vous conseiller, c'est de chercher un autre endroit où vivre. Monsieur Cruz m'a demandé de vous transmettre de l'argent pour que vous puissiez couvrir toutes les dépenses. Des ordres ont déjà été donnés pour geler les comptes bancaires de votre mari. Qu'est-ce qui va se passer avec mes affaires? Je veux dire, mes meubles, avec tout. Je peux les retirer de la maison. Si vous avez un endroit où les emmener, oui. Ce qui est certain, c'est que quand votre maison va être saisie, tout ce qui se trouve à l'intérieur le sera aussi. Ça veut dire qu'on est à l'arrêt. Regarde,
On m'a envoyé un Vlink. Je n'arrive pas à savoir qui c'est, il n'y a même pas de photo. Il dit que mon père devrait, lors de cet événement, remercier la personne à qui il doit tout son succès. Et c'est sûr qu'il parle de moi. Oh, c'est pas Claudio. Je pense pas que Claudio soit aussi puéril. Laisse-moi répondre à cet inconnu. Tu veux dire que mon père me doit des remerciements? Non, il n'a pas à te remercier. Je suis sûre que c'est encore une personne pleine de rancune. C'est bas. Comment me faire à l'idée de tout perdre, maître? Madame, je fais ce que je peux. Ce que je vous conseille de faire, c'est de renvoyer les domestiques. Et je le répète, chercher un autre endroit où vivre très rapidement. Mais nous avons des contacts au trésor. Ils peuvent peut-être nous aider. Madame, ne compliquez pas les choses. La saisie est imminente. Je ne vois pas comment je peux tout perdre et rester là à ne rien faire. Je comprends. Mais s'il vous plaît, prenez en compte tous mes conseils. En cas de besoin, appelez-moi. Excusez-moi. Bonjour, excusez-moi, je cherche cette... Non, ne me dérangez pas. Hé, hey, dégagez hey. Désolée. Si la réunion a eu lieu chez elle la prochaine fois, vous venez chez moi. Tony, chérie. Tony, je peux avoir quelques minutes de ton temps? Je suis désolée, Carmen. Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant tout le monde. Bon, comme tu le souhaites. Avant toute chose, je veux te présenter à nouveau mes excuses pour ce qui s'est passé entre Dana et toi. Ce qui se passe, c'est que ma famille et moi traversons une situation très délicate. Et j'ai besoin de l'aide de mes amis. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je sais que toi et Victor, vous avez quelques entrepôts que vous utilisez pour vos affaires, et je voulais te demander une faveur. C'est vrai, alors? Chez les Cruz Medina, tout va être saisi. Comment, vous êtes au courant? Si je ne vais pas si mal que ça, je n'ai pas besoin d'opération, n'est-ce pas? Maman, laisse le docteur parler. Ce que vous avez, c'est une diverticulose. Laissez-moi vous expliquer. Ce sont de petites poches appelées diverticules qui se trouvent sur la paroi interne de l'intestin. Et la diverticulose survient lorsque ces poches s'enflamment ou s'infectent. Mais écoutez, nous allons vous donner un traitement avec des antibiotiques. Un régime liquide. Oui. Et on va regarder comment ça évolue. Avec ça, vous irez beaucoup mieux. C'est vrai? Mais s'il y a un blocage ou une infection,
L'intervention chirurgicale va être nécessaire. Et c'est une opération compliquée? Oui, c'est une procédure délicate. Eh bien, je pense qu'avec le traitement, je vais me sentir mieux, non? L'important est de commencer le traitement. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour voir comment ça évolue et on restera en contact. Oui, docteur. Je vous donne l'ordre. Merci beaucoup. Oui. Renata, où allons-nous trouver l'argent pour payer autant de médicaments? Et ensuite, si je dois me faire opérer, bon sang, c'est beaucoup de dépenses. Maman, ne te fais pas de soucis pour ça. Rien n'est plus important que ta santé. Et moi, je fais en sorte d'obtenir un emploi chez Biogenelab. Je vais chercher Monsieur Lisandro et je ne vais pas partir tant qu'il ne m'a pas vue. Il y a déjà une rumeur qui circule sur le fait que ton mari est un criminel. Qui t'a raconté ces choses? Oh, pourquoi tu es si surprise? Si tu sais que de telles rumeurs circulent. Je te jure que tout ça n'est qu'un malentendu. Après tout ce que tu as dit sur ta famille, je doute fort que ce soit un malentendu. Ça l'est. Et pendant qu'on y est, je suis venue te demander, Gina, s'il est possible de parler de nous à ton cousin. Celui qui est ami avec le secrétaire des finances. Et tu peux lui dire en notre nom non, que... Non, je veux éviter ça. Ma famille ne va pas se salir pour t'aider toi et Heriberto. Ah, maintenant tu t'inquiètes pour ça. On dirait que tu as oublié toutes les faveurs qu'Heriberto et moi avons faites pour toi. Oh, ne sois pas dramatique. Je comprends, Gina. Avec les vidéos révélatrices d'Heriberto, tu t'attendais à quoi? Tu pensais qu'on allait te voir de la même manière qu'avant, je t'en prie. Non, je ne peux pas le croire. Nous n'étions pas censés être amis. Tony, tu es ma meilleure amie. Ça, c'était jusqu'à ce que je tombe des nues. Je n'avais pas réalisé quel genre de délinquants sont les Cruz Medina. À commencer par toi, qui es si détachée de tes enfants. Tony a raison. Au lieu d'être ici à nous demander des faveurs, tu devrais être chez toi et éduquer tes enfants. En commençant par Ulysse, hein? On dit qu'il a des goûts étranges. Et bien sûr, prendre soin de ton mari, qui va chercher du réconfort ailleurs, car tu fais tout, sauf t'occuper des tiens. C'est pas vrai. Alors là, maintenant, c'est moi qui tombe des nues, hein. Car j'étais trop aveugle pour me rendre compte qu'aucune d'entre vous n'est mon amie. Écoute, ma chère, si j'étais toi, j'irais loin, très loin de Puebla. Suis le conseil, hein, pars d'ici. Oui. Parce que tu n'es plus la bienvenue dans notre cercle, ni toi, ni tes enfants. C'est mieux. Oh, et encore une chose. À l'école, tout le monde est déjà au courant de ce nouveau scandale. Personne n'apprécie Oliver. Et tu sais ce que Dana a fait à ma fille, qui était sur le point de mourir à Costel? Pas ma fille, non. Elle doit... Bon sang! Dis à Dana d'arrêter de chercher Larissa. Parce qu'en plus de ne plus rien avoir à faire avec elle, mon pépé est sur le point de partir pour un voyage à Orlando. Et c'est tout. Au revoir. Au revoir. Alors, on fait quoi le week-end prochain? T'es prêt, mon amour? On va à la plage? Non, j'ai besoin de soleil et de chaleur. Tu peux attendre, s'il te plaît. Je passe simplement un coup de téléphone, je fais vite. Ok, mais dépêche-toi. La banque Barmex? J'ai besoin de vérifier le solde d'un compte. C'est ça, en mon nom. Oscar Pisano. Oscar Pisano? C'est un pseudo que j'ai. Il y a une petite cachette à la banque, juste au cas où. Ah, ton petit secret. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Et tu veux aller à la plage ou on doit rester ici? Qu'est-ce que tu fais là, ma beauté? T'es pas du coin, pas vrai? Elle ressemble à l'amie de Rebecca. Si tu veux, on peut t'emmener faire un tour au Peñón de la Esperanza. C'est pas parce que vous m'avez déjà vu auparavant que vous avez le droit de me parler comme ça. Laissez-moi passer. Attends, t'es célèbre. Oups, hé, t'as fait tomber t'as quelque chose, t'as laissé tomber quelque chose. Attends. Reviens. Attends, reviens. T'as fait tomber un truc. Arrête-toi. Reviens. Salut, papa. Est-ce que ça va? Hey, je garde un œil. Que
Que s'est-il passé? T'es déjà inscrite? Non. Non, et d'après ce que je vois, ça ne va pas être aussi facile. Oui, ils sont très fatigants. Et je ne sais même pas où est-ce que la conférence va avoir lieu. Vraiment? Eh oui. Ils m'ont à peine laissé entrer pour faire un peu de ménage. Mais je suis sûr que tu vas trouver un moyen d'entrer. J'aimerais bien, papa. Il ne faut pas que Fabiola croise mon chemin, car si elle me voit, laisse tomber. Je ne te raconte pas. Non, voyons, ne dis pas ça. Souhaite-moi bonne chance pour que je ne croise pas Fabiola. Tu sais très bien que, quoi qu'il arrive, tu as le soutien de ta mère et de moi. Bonne chance, Renata. Merci, papa. Je te rappelle bientôt. Hey. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Votre carte, s'il vous plaît. Non, je ne l'ai pas. Madame, ça ne peut pas se passer comme ça. Avez-vous votre badge d'employé? Non, je ne travaille pas ici. Excusez-moi, mais personne ne peut entrer sans autorisation. Je vous invite à partir, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me demander de partir. Je veux passer. Permettez-moi d'entrer. Écoutez, j'ai vraiment... Écoutez... C'est vraiment pas possible. Excusez-moi, non. Excusez-moi. Quoi? Mais la conférence va commencer et si vous ne pouvez pas passer... S'il vous plaît. Oui, pardon. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, Myriam Chavez. Pourquoi ils allument pas? Pourquoi ils allument pas? La batterie. Je fais quoi maintenant? Bienvenue, les amis. La presse, les invités. Je vous laisse avec notre directeur, propriétaire et fondateur de Biogenelab. Voici l'ingénieur Lisandro Mascaro. Merci. Je vous remercie de vous joindre à nous. Aujourd'hui, je voudrais vous informer de manière officielle et avec beaucoup de fierté que chez Biogenelab, le temps est venu d'élargir nos horizons. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le laboratoire de diagnostic le plus reconnu d'Amérique latine. Et nous allons nous améliorer. Nous allons développer notre domaine de la bioinformatique. Nous allons développer de nouveaux projets. Car nous voulons en savoir plus sur nos origines, mais également sur les causes des maladies les plus courantes dont souffrent les Mexicains. Oh, pardonnez-moi. Désolé, je m'en charge. Merci. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tiens. C'est gentil. Tu vas à la conférence ? Oui. Et non. J'aimerais bien écouter la conférence de l'ingénieur Mascaro, mais ils ne m'ont pas laissé entrer. J'ai oublié de m'inscrire à temps. Vraiment? Oui. Non. Je peux pas permettre à une fille comme toi d'être laissée de côté. Je t'accompagne. Viens. Bonjour, elle est avec moi. Excusez-moi, oui. Qui êtes-vous? Monsieur, bienvenue. Venez. Excusez-moi, monsieur. Pas de problème. Et toi, t'es quoi? T'es l'employé du mois ou quoi? Quelque chose comme ça. J'ai vu ton CV. Je suppose que tu souhaiterais travailler ici. Oui, c'est vrai, oui. Merci de m'avoir aidé. Je vais écouter la conférence. Avec plaisir, bonne chance. Au revoir. Et maintenant, je vous demande d'applaudir Fabiola qui a supervisé l'ensemble des opérations pour le nouveau secteur de la bioinformatique. Vous pouvez poser des questions à tout moment, bien sûr. De Sienza Hoy, pensez-vous que ce projet peut permettre à Biogenelab de se démarquer? Parce que Labo Ancestral est sur le point de lancer un nouveau kit de paternité qui sera disponible dans les pharmacies et c'est quelque chose de totalement nouveau sur le marché mexicain. Eh bien, ici même, à Biogenelab, nous préparons un kit avec une caractéristique supplémentaire totalement innovante et très importante. Je vous assure que ce kit exclusif de Biogenelab va être le seul sur le marché. Il ne va y avoir aucune concurrence. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Celle avec le pantalon serré, regarde! Elle porte une veste bleue et un pantalon jaune.
Bonsoir. Ah, désolé, je savais pas qu'on allait avoir une réunion de famille tous les jours maintenant. Où étais-tu? Avec Samy. Pourquoi? Je trouve que ces derniers temps, tu passes beaucoup de temps avec ce Samy. Tu n'es pas d'accord? Je vois pas le problème. Ouais, Samy est mon ami. Ami? On appelle ça plutôt un coup de cœur. Ne commence pas, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur à me disputer avec vous. Hermie! Hermie, viens, j'ai faim. Hermie! Maman, elle a quoi, Herminia? Pourquoi elle vient pas? Elle entend pas ou quoi? Herminia ne travaille plus pour nous, Dana. Quoi? Comment, maman? Alors c'est toi qui vas t'occuper de nous? On peut pas se passer de l'aide d'une domestique. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus de personnel à notre service. Ni Herminia, ni le jardinier. Personne ne va nettoyer vos vêtements, ni laver vos voitures. Il n'y a plus d'aide pour qui que ce soit. L'entreprise de votre père. Comment vous expliquer? Elle n'a pas eu de résultats favorables et on a besoin de s'adapter à une nouvelle situation. Au moins le temps que ça se règle. Pas de père, pas de serviteur? Quelle est la prochaine étape? On va vivre sous un pont? C'est bien que tu fasses cette remarque, Oliver. Parce que oui, oui, nous allons déménager. Ulysse, j'ai besoin de toi pour m'aider à chercher des appartements à louer dans la ville de Mexico. Non, 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 attends, excuse-moi, maman. Qu'est-ce que t'entends par la ville de Mexico? Notre vie est ici, à Puebla. La décision a été prise. On va déménager, un point, c'est tout. Non, mais tu rigoles, c'est pas vrai, hein, maman? Je veux pas quitter Puebla. Ma vie est parfaite ici. Je pense la même chose que Dana. Je reste ici à attendre mon père et toi, tu fais ce que tu veux. Monsieur Mascaro, Myriam Chavez de la société d'information Vanguardia. Dites-moi, parmi tous les projets que vous êtes sur le point de développer, est-ce qu'il y en a un qui est conçu par le biologiste Arturo Valencia? Je ne sais pas de qui vous parlez. Quelqu'un d'autre? Le biologiste Arturo Valencia, qui est spécialisé dans le génie génétique. Il a travaillé avec vous pendant de nombreuses années, donc je doute que vous ne sachiez pas qui c'est. D'ailleurs, ça a été très bien annoncé. Excusez-moi. Mademoiselle, je vais vous demander de partir, s'il vous plaît. Quoi? Non, je ne vais pas bouger d'ici. Mais c'est quoi votre problème? Je vous demande de partir. Laissez-moi partir. Vous me faites mal. Je ne veux pas sortir d'ici, lâchez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Être le centre d'attention peut être utile, mais parfois c'est une autre personne qui en profite pour détourner l'attention de ce qui compte vraiment. Tout le monde mérite le respect de sa vie privée. Ne pas blesser les autres avec ce qu'on publie sur les réseaux sociaux est la responsabilité de nous tous. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que...